C'est pour ça que tous ceux qui veulent s'engager, tenter le coup, on risque pas sa vie quand on s'engage dans une association. Bonjour, je m'appelle Bertrand Vienne, j'ai 64 ans, je suis en retraite depuis 2 ans et membre d'une association depuis 2 ans. En fait, dès que j'étais en retraite, j'ai voulu garder un pied dans le domaine de l'entreprise. Comme j'avais créé des entreprises, je me suis dit que je pourrais être utile pour des associations d'aide à la création d'entreprises. Et alors, autre mission depuis début 2020, moins drôle, mais que l'association a eue, c'est d'aider les entreprises en difficulté. Moi, je voulais être bénévole dans une association, donc c'était pas simple à trouver, quoi. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé un peu tout ce qui était en rapport avec ça. C'est moi qui ai cherché vraiment cette association, elle n'est pas venue à moi. Ce qui me motive, c'est d'abord d'être utile, garder un pied dans l'entreprise. Et puis, il y a une catégorie que j'aime pas du tout à l'INSEE, c'est la catégorie inactif, dans laquelle on est forcément le jour où on prend sa retraite. Et donc le but, c'était aussi de sortir de cette catégorie inactive. Utilité, convivialité, je dirais, c'est les deux mots qui me font bouger. Ouais, rester actif. Je dirais d'une part, prends ton temps, choisis bien, renseigne-toi bien, essaye de savoir tes centres d'intérêt, est-ce que c'est le social, est-ce que c'est le culturel, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est le sportif, il y a 50 000 types d'engagement, donc pour déjà savoir soit ce qu'on a envie de faire. La deuxième chose, c'est prendre du temps, se renseigner sur les assos qui existent, rencontrer les membres des assos, savoir ce qui se fait concrètement, quoi. Pas uniquement ce qui est inscrit sur les sites internet ou sur les plaquettes. Et la troisième chose, c'est faut se lancer, quoi. Faut se lancer. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'engagement définitif. On peut très bien se lancer, y aller à fond pendant 6 mois, et puis dire soit c'est génial, j'adore, et ça m'apporte plein de choses, et je me sens plus jeune, et nanana. Soit dire, c'est vraiment pas mon truc. Mais je pense que vu le nombre d'associations qui existent, il y a sûrement moyen que chacun trouve une qui lui convienne, quoi.